Nous sommes étudiants de l'Université nationale Académie d'Ostrov, le premier établissement de l'Est de l'Europe. Nous apprenons la langue française. Et c'est évident qu'avec la langue, nous apprenons la culture du pays, qui nous permet trop bien de comprendre beaucoup de choses dans la langue. Je suis tristée par cette nouvelle. C'est un vrai choc pour les Français et pour tout le monde. C'est plus qu'un bâtiment religieux. C'est un vrai symbole qui prend feu. C'est une immense tragédie de Parisiens et de la France et de tout le monde. Puisque Notre-Dame de Paris, c'est un des plus importants et des plus anciens bâtiments du monde. L'année passée, on a étudié à Rennes et nous avons visité beaucoup de lieux culturels et surtout Notre-Dame de Paris. C'est malheureux d'apprendre que le plus important, l'édifice religieux a été pris au feu et on était choqués par cet incendie. Nous exprimons notre désarroi après l'incendie Notre-Dame de Paris, la mère de cathédrale. Nous avons entendu parler de la colère nationale pour reconstruire la cathédrale. Elle est lancée par la Fondation du patrimoine afin de financer la reconstruction. Je voudrais encourager les étudiants et le personnel à l'Université nationale Académie d'Ostrog, le premier établissement de l'Europe, de l'Ouest, et tous les étudiants d'autres universités à participer à la collecte des fonds, si vous pouvez, parce que la culture française nous tient à cœur.